Hey guys! Oula, mais bonjour d'abord! Je crois qu'il va falloir qu'on reprenne depuis le début. Début juin, Anaëlle, ma grande copine de l'école, m'a proposé une semaine de vacances avec elle, en Croatie. Bien sûr, j'ai accepté. Devinez qui part en Croatie cet été avec sa copine. Oup, oup, oup. Trop contente. Mes meilleures vacances. Un mois plus tard, je l'ai retrouvée à Bordeaux pour qu'on s'envole pour nos meilleures vacances en Croatie. Bien arrivé à Bordeaux. Bon, du coup, première journée ici, le programme. Bah, pour l'instant, on va vraiment se baigner, genre, et bronzer. Parce que bon, c'est la piscine. J'allais dire, profiter de la piscine. Profiter de la mer. La piscine privée. Et pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, on va rester un peu près d'ici, genre dans cette baie ou dans la baie d'à côté. Et après, à partir de demain, on changera un peu, on va faire un peu le tour de l'île. Voilà. Et la semaine prochaine, on prendra un bateau et on ira sur d'autres îles et tout. Et c'est parfait. Cool. Ouais. Et on adore. C'est parti pour le vlog. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide. Since you pushed my love aside, I'm out of my head. Écoutez, on est plutôt bien ici. Si vous regardez là, Anaëlle devient marin. Je suis morte. Quelle femme! Elle a aidé tout ce bateau à partir. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Rien. Je regarde et je bronze. Viens dire au revoir à mes fans. Ciao! Est-ce qu'on pour qui? Est-ce qu'on pour qui? Je voulais qu'ils m'offrent un truc gratuit. Moi, je suis dégoûtée. Je voulais aller sur le bateau, moi. Grave, ils nous auraient pu nous offrir un petit tour de bateau quand même. Ah, mais non, parce qu'on aurait, t'aurais pu servir à rien. Si t'étais sur le bateau, t'aurais pas servi à grand-chose. Non, mais. T'imagines sauter du bateau? Mais meuf, non mais, t'aurais fait comment pour enlever les amarres si t'étais sur le bateau? Non mais après, je me suis sur le bateau après, t'as vu? Je m'accrochais à la mort. Bah oui. Bon, après avoir passé la journée à bronzer au soleil, à en même temps à pas bronzer à l'ombre et à se baigner, et ben là on s'est préparé. C'était toute belle. Full make-up hein. Full make-up, full tenue pour... Oh, il y a tous les petits chatons. Oh my god. Oh my god. Oh my god, il est si maigre lui. Ce qui arrive. Casse-toi. Ah, là il y a la maman, je pense. Oh my god. Je pense que c'est à elle. Je sais pas. Non, je pense pas. Tu pars pas en voyage avec plein de chats. T'as qu'elle habite ici toute l'année, hein. Eh, tu vois, elle veut pas trop qu'on touche ses bébés. T'as vu, elle m'a donné un peu pas, t'es malgré. Ah non, j'ai pas vu. Oh là là, blessure de guerre. Du coup, nous disions, bah là, on s'est préparé à fond pour aller faire des photos. Voilà, et ensuite on rentre on à la maison. Sur une autre plage qui est vraiment à 5 minutes à pied. Hein. Oui, même mais pas. Bah, là, la plage, on allait tout à l'heure. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le soleil, il passe de l'autre côté. Du coup, il y a une meilleure luminosité de l'autre côté. Du coup, on va faire les bad beach. Et voilà quoi, et on s'est vraiment préparé juste pour ça. Je suis morte, je suis en train de faire demi-tour. Je suis en train de prendre des photos là. Celle-ci, parce que c'est, là, c'est vraiment c'était bien au niveau du soleil et tout pour la golden hour. Et genre je me suis rendu compte que j'ai pas mis de mascara. Je suis vraiment une bolosse. Genre je sais pas, j'ai un don pour oublier de mettre du mascara. J'ai déjà fait ça une fois pendant un concours de danse. On a fait demi-tour pour aller chercher le mascara, bah là je fais demi-tour aussi pour aller le chercher quoi.
Du coup voilà quoi, parce qu'en fait, ouais, mes yeux, vous voyez quoi, sans mascara, c'est dommage quand même. Surtout pour les selfies en fait. Parce qu'après pour les photos de loin, bah ça va, on voit pas trop si j'ai du mascara ou pas, mais pour les selfies, quand même, du coup, je fais demi-tour parce que je suis une grosse boulotte. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on est mieux avec du mascara. Ça, what a pleasure. Bon, ça y est, on a fini de faire des photos. Ça rendait super bien parce que le soleil à cette heure-ci, il est magnifique. Il se couche vraiment juste là, quoi. Donc ça rendait trop bien. On a vraiment une golden hour de folie. Oh, regardez-moi cette vue. Regardez-moi comme c'est beau. Ah. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh, viens faire un OTD. Alors. Ok, je vous montre ma tenue, je me casse. Bref, la situation, il y a 20 millions. Bref, la situation. Du coup, un petit collier. On commence par le collier. Ah, petit collier Dior. J'adore. Mon petit haut Bershka qui date d'il y a bien 2-3 ans déjà. Mon petit short Shein. Voilà. Et ma petite coque Xouzou, comme une vraie influenceuse. On adore. Que je ne suis pas. Alors j'ai un short qui vient de chez Bershka, je crois, ou Zara. Et un haut, je sais pas d'où il vient parce que c'est ma marraine qui me l'a donné, mais je l'adore, petit bonnie. Et ça là. Et ça, ça vient de chez Jennifer. Voilà. Anaël, meilleur ami des bêtes. Des chats surtout. Des chats surtout. Ouvre ton profil. Ah. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart. Voilà notre spot de ce matin. Moi j'en ai pris pas mal. Il y a vraiment genre personne à part nous. Enfin il y a une personne qui a ses enfants. Moi je suis un peu sur de l'eau, j'ai pas trop nager, on va dire. Anaël par contre elle est vraiment en train de vivre sa best life. Every time you leave me, I never know what to say. It never seems to go. Je n'ai pas les bouches comme ça tout le temps. Go away. Oh, but every time you see me, know that I'm still the same. This distance. Bon, du coup, là on est rentré à la maison depuis un petit moment et là on a attendu que le soleil parte, enfin du moins pas de l'autre côté, pour avoir un peu moins chaud, pour pouvoir faire notre sport. Et oui, nous sommes des fit girls, lol. Ça fait 3 jours qu'on est arrivé, on commence à peine, merci. On a une bonne excuse, elle était allée chez Ostéo juste avant de partir, du coup on pouvait pas faire de sport. Et j'allais pas faire de sport toute seule parce que sinon elle est triste de pas pouvoir faire de sport. Exactement. De vraies fit girls. Sport with a view. Bonjour. On voit pas. Alors moi je voudrais vous dire des choses sur Charlotte. Charlotte est très belle et c'est ma BFF parce que je peux tout. Elle est là donc je vais m'arrêter. Désolée, la déclaration d'amour est finie. T'as plus de batterie. Bonjour, alors on n'a pas juste vlogué la journée parce que, oula, bonjour d'abord. Parce que simplement, bah, il n'y avait rien d'intéressant à vlogger. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bronzé, on s'est baigné, mais à la maison, enfin genre juste à côté de la maison, donc on n'est pas allé dans un nouvel endroit et tout ça. Je suis hyper soufflée parce que regardez ce qu'elle me fait faire. Bah oui, en fait. Oula, oh, mais tu vas me faire me tuer. Là on s'est mise en bombe pour prendre des photos parce qu'on va nulle part en fait, il y a nulle part où aller. Et elle me fallait un je sais pas où, j'espère que c'est beau. Parce que bon, je suis pas venue ici pour faire de l'escalade quoi. Merci non merci.
vous jure. C'est du sport, hein. Mais je vous jure. Je sais pas où je vais, hein. Son bus, elle est montée bien avant moi. Oh. Non, mais... Oh. Waouh. C'est beau, regardez-moi ça. Quoi? Juste là, là, c'est notre maison. Enfin, notre maison. Juste là, là, celle-là. Eh, je fais des plans pour le vlog. Waouh. Bah oui, je vlog. J'avoue, bon, j'ai failli me tuer 3 fois et demi, mais ça... Waouh, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. On se sent seul au monde. Enfin, juste qu'on voit toutes les maisons, mais si tu regardes juste là, on se sent le seul au monde. Bon, on a fini le shooting photo. Oui. C'est bien quand on est bien habillé, bien maquillé et tout, et qu'on est moche sur les photos. Punaise. J'en ai marre. Ça m'insupporte, ça m'énerve. Le gloss avec les cheveux et le vent. Pire chose. Et pourtant, je l'aime mon gloss. Je l'aime. Mais non. Ah bah. Ah voilà. Ah bah voilà. Ah voilà. Qu'est-ce que je racontais ? Bah voilà. Allez, yes. Bon, c'est reparti. On rentre ? Ouais, t'as ce qu'il te faut ? Oui. Je posterai quand même une photo sur Instagram. Je n'ai jamais été autant active sur Instagram depuis longtemps. Bonjour. 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 Bon, là on est lundi. Et j'ai pas vlogué la journée parce que bah qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Rien. Pas grand chose, on s'est levé tard, on a déjeuné tard, on a mangé tard, on s'est mis dans le lit de bain, on ne s'est même pas baigné, on a juste bronzé. Et là bah, on va faire nos valises parce que bon, malgré tout on part après-demain. Dans 2 jours et demain on va passer la journée sur le bateau. Ouais. Du coup on va partir tôt et rentrer tard parce que quand on prend le bateau souvent, parce que moi du coup j'ai l'habitude de venir ici, donc je parle en connaissance de cause, on part tôt et on revient tard. Mais genre du coup quand on rentre on est un peu fatigué, on mange vite et on se couche. Et comme ce sera la veille du départ, bah vaut mieux faire les valises maintenant. Comme ça c'est fait et demain on n'est pas stressé, même si demain on va sûrement faire nuit blanche, mais sûrement qu'on ne va pas tenir vu qu'on sera crevé du bateau. On préfère faire les valises maintenant. On va grave tenir, on va grave tenir. Et parce qu'en gros mercredi matin, ça va, mercredi matin, ouais. On a notre bateau à 4h30 du matin. Et on arrive à 9h sur le continent à Split. Voilà, et sauf que nos avions sont genre à 14h et 15h, un truc comme ça. Parce qu'on prend le même avion, parce qu'on rentre pas au même endroit. Moi, voilà. Je rentre à Bordeaux. Et moi je rentre chez moi, enfin je rentre à Paris quoi. Du coup on va faire nuit blanche. Mercredi. On va tenter de faire nuit blanche de mardi à mercredi, mais. Vu qu'on a 5 heures de bateau, après on aura le temps de dormir quoi. Par contre, t'as vu comment. T'es blanche. Je suis blanche du visage par rapport au reste. De malade. C'est incroyable. Amazing, super quoi. C'est l'immunité. Oh la tristesse. On vous explique la situation, enfin je vous explique. Elle est déjà partie bronzer celle-là. En gros on était censé du coup, comme on vous a dit hier, aller faire du bateau. Mais la mer n'est pas assez calme, la mer est trop agitée. Du coup bah, c'est mort pour le bateau. Du coup ce matin on reste tranquille à la maison. Enfin il est déjà 11h30 donc j'ai ce matin mais voilà. Et cet après-midi on retournera dans une baie où on est allé pendant la semaine parce qu'on l'a bien aimé. Et parce qu'on sera sûrement pas mal abrité du vent. Et bronzage, baignade, tout ça quoi. Bon bah finalement, regardez où on est. Sur le bateau. La mer s'est calmée. Du coup on a dû louer le bateau pour l'après-midi. On prend le bateau. Voilà. Et voilà, bon là on s'est posé hein, parce que bon le bateau il bougeait quand même pas mal. Donc j'allais pas être là avec ma caméra. Wouh, wouh. Non. Hein. Et là on est sur un îlot qui s'appelle Tapoum. Bon. C'est super joli. Voilà. Et on va se baigner. Actuellement 4h32 du matin et on va partir. On s'en va, on est dans le ferry. On a 5 heures de ferry, on arrive à 9h30 à Split. Et après on va prendre un bus pour aller à l'aéroport. Par contre la pluie j'en peux plus, ça m'insupporte. Ah, ça va, je m'en vois pas. Bon, Maëlle, Naël, tu fais une bonne blogueuse. C'est vrai? Oh, merci. Je prends vraiment hyper bien, tu sais. Qu'as-tu pensé de ces vacances en Croatie? J'ai adoré. C'était très beau. Bon, après j'ai vu qu'une île, mais genre c'était bien parce qu'elle était très sauvage. Pourtant, bon, moi j'avoue je préfère la ville que ça, mais pour les vacances c'est sympa, genre de... ça
ça change d'air quoi. Et voilà quoi, enfin, moi je suis toute bronzée. On adore. Que ah ouais. D'être trop bronzée. C'est que devant le peuple. De ouf. En plus, voilà. D'abord maintenant j'ai envie de dormir par contre. Première étape, fini. Bon, du coup, là on s'est posé au café. On appelle le café rouge. Voilà, avec des petites boissons et tout. On prend un petit déj en fait. Chin chin. On doit aller à l'aéroport dans 2 heures. Il est 10h. Oh, ben mon autobus il est à 11h. Ah, oui, c'est vrai. Bon, voilà, nous voilà à l'aéroport. Dans la salle d'embarquement. On va arrêter le vlog ici du coup. Parce que bah, je suis triste. C'est la fin. Moi aussi je suis un peu triste. Du coup voilà, on espère que ça vous a plu. Oui. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et une prochaine vidéo avec Anaëlle peut-être. Yeah. Bisous.